la célébration de la fête annuelle des moissons par le corps du Christ est une obligation pour tout chrétien. S'investir sans réserve aucune afin de la réussir est preuve de gratitude, son tâche envers Dieu, lui qui n'a jamais aménagé aucune restriction dans son amour envers nous. Toute la paroisse d'Ebenezer de Ménotin a donc compris ce secret de bénédiction et n'a pas dérobé à la tradition. C'était le dimanche 30 juillet dernier que tous ces fidèles en connivence avec le COFEM et leur chargé, le vénérable suprême évangéliste Ricardo Théodule à Détonnant, ont marqué de leurs empreintes la fête des moissons de cette édition célébrée. Les festivités ont démarré depuis le vendredi 28 juillet par un concert spirituellement animé en live. Extrait. Dansez, 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 d
Dans la sous-région F du littoral au Bénin, cette paroisse, le dimanche de célébration, a eu l'honneur de se faire nourrir spirituellement par le pasteur Albert Gamondwalo, l'envoyé spécial du chef mondial de l'Église du christianisme céleste, de la parole de Dieu, cette parole qui est lumière sur nos chemins et nous conduit dans notre marche avec le Christ. Suivons un extrait de son prêche. Hey, Najaya, Nanoué, et yo, Tamelin le pont, Jide Yimbo, Jiwe, Dodo, Aiba Logi, si c'est que nous n'en sommes, si c'est d'abriter un arrêt, to poto tessian sangue, ou n'en a dame le bofifon aglo, bete do benje, nawe naido, a zante en wa. À son d'agbeté en wa. Les blancs nous prenons ton apoué d'ogbe. Bado wa fito egbe. Ema emo. Dopo miton. Ma na fonto egbe. Mima to fi. Djawe yu anan gouiwe. Ba wenu virus wa. Boto mehu. Boto gbeto la kohu. Mimo menamu de kuto Vatican. Mimo menamu de kuto Chine. Menamu e kuto agouwe me. But on Namu, a put up woman virus law. This is enough law, they were on Lepo Yebla Hanti. Make better like Publa Hanti, Amana Kojaba. Menamu, a put up woman. Yawa, you are not going away, Pasco, Eddie, a goat on Jateko, Rompo, Leblan Poe. And now to me, you are now with Tommy Tom, the Milo Sunko, Wapo Galon in the hole. Why, Emino Ego? Moi, je suis un peu de temps. 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 A tilo si se a tilo ton e ri ananse kwegbe to egbe eyan wa fi an do dawe de do won yin ko do mi ni ho won si an tin fi temi na mo khote je wa yin won yin lo ri a tin to te di o wa lo to so ko me gbe me to so a ti si sa me joko kendo. Ni wana we totwe manu heme jro dagbe na we totwe ti di yosun ko
je wa yin wa yin lo je wa yin atin lo wa lo yin kan de anu sanda yi gbe dai afun anu ko dai gbe dai jire do to ayin to akime to kwegbe bo mele ko don to hunda ye ko asu to epo ye ko le wa mo e ko le wa dawe lo ko le wa mo na we lo ku ko asu to ko jo e afun jomindo de nous tous ces sommets, tu es bé, Dieu ou alors, mieux comme na nito tinto droge do di atio gbaton lokan je we ni gba lo na we. Alors, avec des cœurs de joie débordantes, des pas de danse avec passion ardente, chacun pouvait se contenter de son émotion avec des présents et chants en gloire à Dieu pour ses multiples merveilles le long de cette année. Suivons quelques impressions de satisfaction. Je pense que l'organisation est très bien faite. On se sent bien au milieu de nos frères et on sent que le Seigneur Dieu est au milieu de nous. Donc c'est avec honneur que je suis là et je pense que tout est bien organisé. Parce qu'il est important pour nous les frères, pour les chrétiens célestes, de se réunir et de partager d'un commun accord notre amour fraternel et aussi de soutenir l'œuvre. Moi je suis émue et bien touchée par la chorale. Les chorales sont au top. Moi, étant choriste, je suis vraiment touchée. Et aussi, je pense qu'on ressent bien qu'il y a une communauté fraternelle entre nous ici. Je pense que les femmes sont les premiers prédicateurs dans le milieu chrétien. Et nous souhaiterons que dans l'Église céleste, les femmes qui portent le flambeau continuent à le porter afin que l'Église avance. On dit que si un foyer avance, c'est la femme. Donc si l'Église avance, c'est que c'est l'œuvre de Dieu. C'est que les femmes ont un grand apport dans l'évolution. Félicitations à tout le comité, au chargé paroissial, à son comité paroissial. Nous adressons notre sincère félicitation et encouragement. La paroisse Ebenezer Menotin de Cotonou a l'habitude d'organiser. Mais cette fois-ci, cette paroisse a mis le comble en matière d'organisation à travers un grand comité d'organisation que nous félicitons. L'organisation à tous les niveaux a connu du succès et c'est ce que nous voyons, nous tous. Au niveau de l'accueil, au niveau de l'organisation du culte, au niveau de l'affluence, la maîtrise de toutes les arcanes d'organisation est assurée. Le pasteur Gamadoualo a mis l'accent sur l'importance de l'amour à cultiver. Et pour cela, nous devons tout faire pour semer l'amour. Et la plante de l'amour, l'arbre de l'amour, dépend de chacun de nous. C'est nous qui constituons l'arbre de ce grand amour que nous devons partager à tout le monde et hériter le royaume. Et la fin de moisson, c'est la résurrection. Et déjà, nous devons semer notre résurrection future. Parce qu'il faut cueillir les fruits de l'amour. Et c'est cela qui témoigne de notre participation au pèlerinage que nous organisons sur la terre. C'est nécessaire, il faut le faire. Il faut aimer, il faut partager, il faut rassembler, il faut laisser la colère. C'est ce qu'il a exprimé et c'est en réalité, c'est le sens profond de l'organisation de la fête des moissons que nous devons avoir et cultiver. S'il est écrit dans les Saintes Écritures que les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité, il est important de prendre pour modèle cette paroisse d'Ebenezer de Menotin qui, pour offrir une fête réussie à Dieu, la fait sans rien attendre des hommes, mais de Dieu qui la recevra comme un parfum de bonne odeur et bénira tous ses participants de bonne grâce. Amen. Shalom.